si je vous dis croisade et ordre religieux militaire, vous pensez tout de suite aux Templiers. Eh bien, ça tombe bien, on parle pas d'eux aujourd'hui. Non, car il existe un autre ordre sans doute beaucoup plus intéressant, les Hospitaliers. Les Hospitaliers, ou l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, c'est une histoire qui s'étale sur presque 1000 ans et qui continue encore aujourd'hui. Mais qui étaient-ils vraiment? Quel rôle ont-ils joué en presque un millénaire? C'est parti pour découvrir cet ordre bien trop méconnu. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Skillshare. Skillshare, c'est quoi? C'est une communauté d'apprentissage en ligne avec des milliers de cours hyper motivants destinés aux gens créatifs. Dessus, vous trouverez plein de cours hyper complets en vidéo, qui vous permettent de développer de nouvelles compétences ou encore d'approfondir vos passions. Vous avez plein de catégories comme le graphisme, la vidéo, la production musicale, l'animation et plein d'autres. Par exemple, moi je me suis intéressé à l'astrophotographie. Alors si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement prendre des photos du ciel la nuit. Et pendant mes vacances, j'en ai profité pour prendre quelques photos de la Voie Lactée. Et sur Skillshare, j'ai justement trouvé ce super cours de Gary Cummins, Introduction à l'astrophotographie, comment capturer la beauté du ciel nocturne. C'est donc une suite de vidéos qui vous explique très clairement tout ce que vous avez à savoir sur cette pratique. Comment choisir un emplacement sans pollution lumineuse, quel matériel utiliser, comment régler l'appareil photo et sans doute le plus important, comment retoucher ses photos dans Lightroom, ce qui permet d'obtenir un résultat plutôt chouette. Le site est disponible en français et tous les cours sont sous-titrés en français. Et comme Skillshare est spécialement conçu pour l'apprentissage, le site ne contient pas de publicité. Et en plus, de nouveaux cours premium sont mis en ligne chaque semaine. Si ce service vous intéresse, n'hésitez pas à checker la barre d'infos car les 1000 premiers abonnés à cliquer sur le lien en dessous bénéficieront d'un mois d'essai gratuit à Skillshare. Merci à eux de soutenir la chaîne, bonne vidéo! Nous sommes à Jérusalem en 1048. C'est ici, en Terre Sainte, que fondent des marchands venus du sud de l'Italie ce qui est d'abord une église, puis un couvent, et enfin un hospice, pour abriter et soigner les pèlerins. C'est comme ça que naît l'ordre des chevaliers de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, ou plus simplement, les Hospitaliers, un ordre précurseur puisqu'il apparaît avant même la première croisade. Ce qui est à la base une fondation dédiée à Saint-Jean le Baptiste est toléré par les califes égyptiens, qui à ce moment dirige la Palestine. Mais vous vous en doutez, ça va pas durer. En 1095, le pape Urbain II lance un appel à reprendre la Terre Sainte, une première croisade qui s'achève 4 ans plus tard, une fois Jérusalem conquise par les chrétiens. Après 1099 et la fin de cette première croisade, la Terre Sainte se voit divisée en petits états. Ce sont les fameux états latins d'Orient, le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et enfin le royaume de Jérusalem, là où se trouvent nos hospitaliers. Il faut ensuite attendre 14 ans, en 1113, pour que l'institution soit reconnue par le pape Pascal II comme un ordre monastique à part entière, ne devant rendre compte qu'au pape. Leur fameux symbole, la croix blanche à 8 pointes sur fond rouge, commence à apparaître avec le temps. Pour l'heure, l'ordre des hospitaliers n'est toujours pas un ordre militaire, mais la situation dans la région va bientôt les pousser à tirer leurs épées. À partir de 1120, leur mission commence à s'étendre. Au lieu de simplement accueillir et soigner les croyants qui arrivent à Jérusalem, les hospitaliers vont commencer à les escorter sur les routes du Moyen-Orient. Et comme les routes sont dangereuses, ils se retrouvent parfois obligés de se défendre, voire même de mener des attaques préventives pour écarter toute menace pour les pèlerins. La situation va continuer de se dégrader en Terre Sainte. Les états latins d'Orient se retrouvent obligés de faire appel de plus en plus à ces ordres de moines soldats, comme les hospitaliers ou les templiers. C'est l'une des grandes particularités des ordres religieux militaires, et qui à nous nous semble toujours un peu contradictoire, puisque certains sont à la fois des moines et des chevaliers. D'ailleurs, voici comment ça fonctionnait chez les hospitaliers. Au sein de l'ordre, les rôles sont bien délimités. D'un côté, les prêtres et les laïcs assument les fonctions de charité et de médecins, et de l'autre, les chevaliers et les sergents sont en charge de la sécurité des pèlerins. À la tête des hospitaliers, on retrouve un grand maître, qui est assisté d'un chapitre, c'est-à-dire d'une assemblée de frères, et de 8 baillis qui font office d'administrateurs. Ce sont tous des religieux liés par 3 vœux monastiques, vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Pour financer leur ordre, les hospitaliers vont principalement profiter de généreuses donations, principalement des terres, qui leur permet de générer d'importants revenus sous la forme d'impôts ou de produits agricoles. Mais ils recevaient aussi des châteaux, des forteresses ou bien de simples dons de la part de pèlerins ou de seigneurs plus ou moins influents. Car d'ailleurs, faisons une petite parenthèse, le fameux trésor des Templiers, et donc celui des Hospitaliers, eh bien c'était pas des coffres remplis d'or, mais bien ça, des terres fertiles, des châteaux et des paysans à taxer.
Tous ces endroits sont répartis par province à travers les états latins d'Orient, organisés chacun autour d'un couvent et divisés en 7 commanderies. Les hospitaliers qui réussissent à se rendre indispensables vont donc se voir confier la garde d'endroits stratégiques, comme en 1136 où le roi de Jérusalem, Foulque V, leur confie le château de Gibelin, près d'Ascalon, ou bien dans le comté de Tripoli comme le célèbre Krak des Chevaliers, cette forteresse restée imprenable pendant plus d'un siècle malgré les assauts des musulmans. Le principal problème pour eux, eh bien, c'est qu'ils sont pas assez nombreux. Du coup, ça les oblige à mettre de côté l'aide aux pèlerins, ce qui était pourtant la base de l'ordre. À la place de ça, les hospitaliers se changent en une organisation principalement militaire, tournée vers la lutte contre les musulmans. Néanmoins, ça, c'est pas du goût de tout le monde. Au sein de l'ordre, certains se plaignent de cette militarisation forcée, et même le pape va les engueuler en leur rappelant que leur mission, bah, c'est pas de faire la guerre. D'ailleurs, lorsque Gilbert Dessaillis, le cinquième grand maître de l'ordre, pousse le roi de Jérusalem, Amaury Ier, à lancer plusieurs campagnes militaires contre l'Égypte à partir de 1163, cela se soldera par des échecs, qui ruineront et épuiseront inutilement les chrétiens. Ce que ne manqueront pas de remarquer les chefs musulmans, notamment Nour ad-Din et son successeur Saladin, qui parvient en 1187 à reprendre Jérusalem aux croisés. Bon, à partir de là, au royaume de Jérusalem, enfin ce qu'il en reste, ça va pas fort. Et pour les hospitaliers qui restent sur place, eh bien ils doivent se faire discrets. Ils décident de prendre parti pour l'empereur germanique Frédéric II Barberousse, qui préconise de négocier et de cohabiter avec les musulmans. C'est à la même période, sentant sans doute la fin du royaume de Jérusalem arriver, que les hospitaliers vont étendre leur influence à travers la Méditerranée et l'Europe, où ils y installent des tas d'hospices et de commanderies. On les retrouve ainsi dans la plupart des grands ports européens, depuis lesquels les navires vénitiens, génois ou pisans se lancent vers Jérusalem. En aidant les pèlerins à organiser leur voyage, en leur permettant de se reposer sur le trajet, eh bien les hospitaliers se changent en une sorte d'agence de voyage médiéval. Mais toute cette organisation est chamboulée lorsqu'en 1291, après quasiment un siècle à survivre sur les côtes palestiniennes, le royaume de Jérusalem s'effondre sous les assauts du sultan égyptien Baïbar, chef des Mamelouks. Les catholiques migrent alors en majorité vers l'île de Chypre. À Chypre, les hospitaliers y sont depuis plus de 80 ans. Désormais chassés du continent, les moines soldats modifient leurs moyens d'action et se tournent vers la mer. Avec l'autorisation du pape, ils vont bâtir une flotte à la fois pour faciliter le voyage des pèlerins, mais aussi pour chasser les navires musulmans et défendre les côtes chypriotes. Cependant, tout n'est pas rose dans leur nouvelle demeure. À Chypre, les hospitaliers, avec leur grande armada, leur armée et leurs nombreuses propriétés foncières, eh bien, leur pouvoir local est un peu contesté. Surtout que les hospitaliers restent fortement associés à la croisade, auquel on ne croit plus vraiment en Occident. On se met même à questionner l'utilité des ordres militaires. C'est pourquoi les hospitaliers finissent par quitter Chypre. Profitant du chaos qui règne dans l'ancien empire byzantin, ils s'installent à Rhodes entre 1307 et 1310. D'ailleurs, j'ai pu me rendre sur place il y a quelques mois, alors je vous ai ramené quelques images, principalement du palais des grands maîtres, une grande forteresse byzantine agrandie par les hospitaliers. Une fois sur place, ils vont donc en quelques années transformer Rhodes en une véritable place forte, et malgré des ressources limitées, ils parviennent à développer leurs activités en mer. Les hospitaliers deviennent de véritables chevaliers pirates. Et ça, c'est la classe. Ils deviennent rapidement un fléau en Méditerranée. Un nouveau souffle pour les chevaliers de Saint-Jean qui retrouvent une utilité aux yeux du monde chrétien. En parallèle, l'organisation des hospitaliers évolue. Ils ne sont plus composés à majorité de francs, mais de moines venus de toute l'Europe catholique. Le statut du grand maître change aussi. Il est désormais connu comme le prince de Rhodes, il a sa propre monnaie et il entretient un intense réseau diplomatique. Rhodes se transforme donc en un véritable petit état. Il a son propre gouvernement sous forme d'un conseil qu'il faut toutefois bien distinguer du chapitre évoqué tout à l'heure. Les hospitaliers profitent aussi de la chute de leurs cousins. Lorsque l'ordre des Templiers est dissous en 1312, ils héritent de leurs possessions. L'ordre de Saint-Jean reste ainsi à Rhodes pendant plus de deux siècles. Mais malheureusement pour eux, le monde musulman veut leur disparition. Les hospitaliers réussissent à repousser différentes attaques lancées contre eux, deux débarquements mamelouks en 1440 et en 1444, et surtout la tentative d'invasion de l'île en 1480 par le sultan ottoman qui a conquis Constantinople, un certain Mehmed II. Mais les hospitaliers ne pourront pas repousser ces assauts indéfiniment. Le petit-fils de Mehmed II, le sultan Soliman le Magnifique, entend bien annexer l'île. En juin 1522, il débute un siège contre Rhodes qui va durer près de 6 mois. Le grand maître d'alors, Philippe de Villiers de l'Isle-Adam,
lutte contre les Ottomans à la tête de seulement 16 000 hommes, dont à peine 600 chevaliers, qui ensemble repoussent les assauts des envahisseurs les uns après les autres. Grâce à l'ingénieur vénitien Gabriel Tadino, les attaques ottomanes sont contrées, et les murailles de Rhodes tiennent. Mais les hospitaliers, trop peu nombreux et dépassés par l'artillerie turque, chancellent et à la fin de l'automne, les murailles commencent à céder. Très vite, ça commence à s'agiter dans le camp hospitalier. L'un des membres les plus importants de l'ordre, André d'Amaral, est même soupçonné de vouloir ouvrir les portes aux Ottomans. Le 8 novembre, il est exécuté pour trahison. Les différents bastions hospitaliers finissent par tomber les uns après les autres. Le 19 décembre 1522, le grand maître capitule. Il obtient la liberté pour lui et les 160 chevaliers survivants de son ordre, mais aussi pour les Rhodiens qui souhaiteraient le suivre en exil. Pour l'ordre, c'est le début de plusieurs années d'errance. Pendant 7 ans, les hospitaliers se retrouvent à errer en Méditerranée. Certains sont hébergés près de Rome par le pape Clément VII et d'autres sont accueillis à Nice par le duc de Savoie. Mais très vite, ils vont reprendre du service. En 1529, les côtes nord-africaines sont annexées par Soliman. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la vidéo sur Soliman, qui est son principal ennemi en Europe? C'est bien évidemment l'empereur germanique Charles Quint. Ce dernier va voir dans les hospitaliers une opportunité. Fervent chrétien, combattant aguerri et excellent marin, il pense qu'il pourrait servir à contenir les Ottomans et leurs alliés en Méditerranée. Ainsi, le 24 mars 1530, l'empereur cède aux hospitaliers l'île de Malte, entre la Sicile et la Tunisie. Charles Quint ne pose que deux conditions. Que l'ordre continue d'accepter tous les chevaliers d'Europe et qu'il reste neutre dans la guerre entre pays chrétiens, notamment entre Charles Quint et ce bon vieux François Ier. Enfin bref, voilà comment l'ordre récupère Malte. Car oui, dans cette île, c'est pas juste un repère pour influenceurs qui fuient les impôts. Mais sans grande surprise, hein, avouons-le, le déménagement des hospitaliers vers Malte n'est pas du goût de tout le monde. Enfin, surtout des Ottomans, qui pensaient s'être débarrassés d'eux. Soliman décide qu'il est temps d'éradiquer une bonne fois pour toutes l'ordre. Ainsi débute en mai 1565 ce que l'on va appeler le Grand Siège de Malte. Le grand maître hospitalier, Jean de la Valette et ses frères vont vaillamment défendre l'île. Ils sont accompagnés de quelques mercenaires italiens et espagnols, mais leurs quelques 5000 hommes font pâle figure face aux quelques 30 000 soldats ottomans. Pendant un mois, les hospitaliers de la Valette tiennent le fort de Saint-Elme, qui interdit à la flotte ottomane de se mettre à l'abri dans la rade de Marsam 7. Mais les Ottomans finissent au prix de lourdes pertes par pénétrer dans la baie de Marsa. Commencent alors plusieurs sièges simultanés autour de chacune des places fortes tenues par les hospitaliers. Solidement retranchés, la Valette et ses hommes vont pendant 4 mois repousser chaque assaut ottoman jusqu'à l'arrivée des secours. Touchés par la maladie, manquant de vivres, craignant l'arrivée de tempêtes et sous-estimant la force des Espagnols, les Ottomans se replient. Les hospitaliers viennent de repousser les Ottomans. Et autant vous dire qu'après ça, les mecs, c'est des grosses restats dans toute l'Europe. Leur prestige est enfin restauré. Des fonds sont levés dans tous les états chrétiens pour les aider à rebâtir et à agrandir les défenses de Malte, mais aussi moderniser l'administration et la flotte hospitalière. L'ordre fait ériger sur l'île une nouvelle capitale, La Valette, en hommage au grand maître qui a vaincu Soliman. La ville abrite le grand hôpital, considéré alors comme l'un des plus vastes et des mieux organisés du monde, accueillant une faculté de médecine où se développent l'anatomie, la pharmacologie et l'ophtalmologie. À côté de ça, les moines soldats reprennent leurs activités de corsaires et s'engagent dans toutes les campagnes navales contre l'Empire ottoman. Comme lors de la célèbre bataille de Lépante du 7 octobre 1571, où la flotte hospitalière se joint à la Sainte Ligue, et avec les Vénitiens et les Espagnols, ils anéantissent la flotte ottomane, mettant définitivement fin à son expansion en Méditerranée. En parallèle, les corsaires organisent aussi le commerce d'esclaves. À l'époque moderne, La Valette devient le principal marché aux esclaves dans le monde chrétien, et la ville commerce avec de nombreux pays détenteurs de colonies. Les hospitaliers vont même administrer un temps plusieurs îles des Caraïbes pour le compte de la France. Mais voilà, après avoir atteint son apogée, l'ordre va stagner pendant 2 siècles, ses corsaires se transformant petit à petit en de simples gardes-côtes. Et les événements en Europe vont précipiter l'ordre vers de nouvelles années d'errance. Au XVIe siècle, éclate la réforme protestante. Les protestants refusent que l'ordre reste sous l'autorité du pape et fondent, en réaction, leurs propres ordres religieux concurrents. Depuis Malte, les hospitaliers voient donc plusieurs de leurs frères quitter l'ordre, et la perte de plusieurs commanderies sur le continent leur font aussi perdre beaucoup d'argent.
Au XVIIe siècle, les membres de l'ordre sont de moins en moins nombreux. Moins bien équipés, et à une période où les relations entre le Moyen-Orient et l'Occident s'apaisent, les activités de corsaires perdent de leur intérêt. Bref, pour l'ordre, ça commence à être un peu la mouise. Pour pallier à ça, le grand maître Villena décide de faire de La Valette un point d'étape entre les différents grands ports de Méditerranée. Cette décision renforce l'économie locale et transforme Malte en un état marchand. Le hic, eh bien c'est que la vocation religieuse et militaire de l'ordre passe alors complètement à la trappe. Ce qui conduit à des tensions entre les Maltais, qui se considèrent de plus en plus comme une petite monarchie dirigée par le grand maître, et de l'autre les membres de l'ordre sur le continent, qui considèrent que l'ordre est en train de s'éloigner de sa vocation originelle, et menace donc de faire sécession. Autant vous dire qu'à ce moment-là, au sein de l'ordre, l'ambiance est bien pourrie. Mais un événement va totalement rabattre les cartes, et faire basculer le sort des hospitaliers. En France, éclate la Révolution. Longtemps alliée des chevaliers de Saint-Jean, la France révolutionnaire se détache de l'Église catholique. En conséquence pour les hospitaliers, leurs biens sont saisis en 1792. À la même époque, pour porter atteinte à l'influence britannique au Moyen-Orient et dans l'océan Indien, la France lance la fameuse expédition d'Égypte en 1798. À sa tête, un certain Napoléon Bonaparte, qui s'empare de Malte pour en faire sa base arrière avant de débarquer en Égypte. Les hospitaliers sur place perdent leur autorité, et ils font face à un paradoxe, puisque pour la première fois de leur histoire, ils se retrouvent attaqués par d'autres chrétiens. Par conséquent, la plupart choisissent de s'exiler à Rome auprès du pape, tandis que d'autres rejoignent l'expédition de Bonaparte. Malte ne reste cependant pas aux mains des Français bien longtemps. Contestée par les Britanniques, l'île est perdue par la France, qui la restitue officiellement aux chevaliers de Saint-Jean par le traité d'Amiens en 1802. Mais les Anglais refuseront de laisser faire, et annexeront l'île en 1816. Après ça, la situation des hospitaliers reste quand même délicate. Mais pendant leur exil, ils ont reçu une aide, sortie de nulle part, de quelqu'un d'un peu inattendu, le tsar de Russie. Le tsar Paul Ier a beau être orthodoxe, il décide d'accueillir les hospitaliers à Saint-Pétersbourg à partir de 1799. Cette décision n'est pas tout à fait désintéressée. Il espère que les hospitaliers lui seront utiles pour conquérir des territoires ottomans, eux qui connaissent très bien cet adversaire. Pour remercier le tsar de son accueil et désormais de financer l'ordre, Paul Ier est fait grand maître jusqu'à sa mort, ce qui va acter un schisme au sein des hospitaliers, entre les pro-catholiques qui refusent cette décision et les œcuméniques qui prônent l'entraide entre les différentes branches de la chrétienté, surtout si cela aide l'ordre à survivre. Mais par la suite, la situation des hospitaliers continue à empirer. L'influence de Napoléon sur le pape et l'Europe dissuade les chefs d'État de s'intéresser aux hospitaliers. En Russie, après la mort de Paul Ier, on ne leur porte plus autant d'importance et pire, leur ennemi historique, l'Empire Ottoman, est lui aussi sur le déclin. Bref, ils ne sont définitivement plus dans l'air du temps. Alors, lorsque les guerres napoléoniennes s'achèvent, il plie bagage et s'installe à Rome en 1834 avec l'accord du pape Grégoire XVI. Ils n'ont plus de territoire à gérer et pour la première fois en 700 ans, plus d'activité militaire. Alors, ils reprennent leur activité originelle, l'assistance aux pauvres et aux malades. Au cours du 19e et du 20e siècle, l'ordre se conforme au droit humanitaire et ouvre des branches dans plusieurs pays européens. En 1961, l'ordre adopte son nom actuel, l'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, plus sobrement appelé l'ordre de Malte, un rappel de la longue route que lui ont fait prendre les aléas de l'histoire. Ils essaient aussi de régler en interne leurs différends qui traînent quand même depuis plusieurs siècles. Ils reconnaissent par exemple les branches dissidentes protestantes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni. D'ailleurs, pour l'anecdote, la branche du Royaume-Uni, baptisée Très Vénérable Ordre de Saint-Jean en 1888, a pour grand maître l'actuel souverain. Donc aujourd'hui, Elisabeth II est grand maître d'un ordre hospitalier. Depuis ses origines, où l'ordre escortait les pèlerins jusqu'à Jérusalem, les hospitaliers ont parcouru un sacré chemin. De la ville sainte à Chypre, Rhodes, Malte, Rome, puis Saint-Pétersbourg, les hospitaliers ont été les témoins des nombreux bouleversements de l'histoire. Aujourd'hui, comme à leur début, les hospitaliers, devenus l'ordre de Malte, se consacrent à des missions humanitaires, assistant les faibles, les pauvres et les malades à travers le monde sans distinction d'origine, de rang social ou de religion. Un juste retour des choses pour une organisation qui, mine de rien, fêtera dans une vingtaine d'années ses 1000 ans d'existence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et de me suivre sur Twitter, Instagram et TikTok. Moi, je vous rappelle que cette vidéo était en partenariat avec Skillshare.
Si ce service vous intéresse, rendez-vous en description, les 1000 premiers obtiendront un mois d'essai gratuit. Merci également à Guilhem de la chaîne d'Histoire en Histoire pour la préparation du script, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Encore merci et à la prochaine.